Le but de ce café carrière, en tout cas je l'espère, ça va être de parler assez peu de moi et beaucoup des étudiants puisque je viens tout juste d'être diplômé cette année et du coup je peux très facilement me mettre à la place des étudiants aujourd'hui et le but c'est vraiment de les accompagner au cours de leur recherche de stage. Avant d'intégrer UNIS STM, j'ai commencé par un master en psychologie et neurosciences. Ensuite, j'ai eu deux choix, soit faire 3 ans de plus pour avoir un doctorat en neurosciences, soit faire une école de commerce. Donc j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé ce qu'il me fallait chez UNIS STM parce qu'ils prenaient des biologistes pour en faire des managers et du coup ça me convenait parfaitement. Pour la petite histoire, hein, chez Sanofi, ça commence en stage en juillet 2017. Et donc j'ai rencontré le chef de l'innovation. En innovation, le but est d'apporter chaque année de nouveaux produits sur les différents marchés, quelle que soit la région. Donc moi, j'étais dans la région Europe. Et pour cela, on devait gérer un outil informatique qui, justement, nous permet d'avoir directement et automatiquement les chiffres de la performance des différents produits lancés en Europe. Au départ, il cherchait plutôt un pharmacien ou un marketeur et quand il a découvert mon profil, il a totalement changé les missions du stage pour moi et vraiment a tout focalisé sur cet outil. C'est grâce à cet outil que j'ai pu rester chez Sanofi par la suite puisque nous sommes seulement deux au monde à le gérer. Ma formation en double compétence a vraiment été un plus puisque on peut vraiment discuter avec différents types de personnes à la fois au cours des projets. Ensuite, avec le focus en informatique, on peut vraiment accompagner les équipes parce que je m'occupe pas justement du codage de l'outil, mais par contre je suis souvent en appel téléphonique avec l'un des lions pour l'outil, etc. Et du coup ça permet de vraiment résoudre les problèmes plus vite puisque je peux lire le code directement avec eux. Ça c'est un réel avantage. Les conseils déjà dans un premier temps, c'est avoir un réseau assez fort et les premières bases de ce réseau, c'est la promo dans laquelle on est. Hein. Le but est d'établir de certains liens forts avec des personnes qu'au final connaît bien grâce au projet. Et puis surtout, savoir garder contact avec ces personnes-là, c'est le début. Hein.